On en a tous souffert, figure-toi. Tous. Je t'ai expliqué l'autre jour ce qui est arrivé à mon fils, moi. Mon fils qui était au collège, à l'école d'horlogerie de Cluse, faut pas le nommer, en plein cours, le professeur lui a dit, à Chamonix, vous êtes une bande de salauds. Vous avez deux morts sur la conscience. Mon gamin avait 15 ans. La première réflexion que mon père m'a faite quand je suis rentré chez moi, à part de m'engueuler parce que j'avais séché l'école, c'était de me dire, mais on ne pouvait pas payer. On ne pouvait pas les décider à venir, ces guides, si on les avait intéressés au sauvetage. Et bien sûr, longtemps après, après avoir travaillé et gagné de l'argent et élevé des enfants, ben je comprends bien que c'est la clé de l'affaire. Enfin, une des clés. C'était aussi l'utilisation pour la première fois, à vif comme ça, l'utilisation des hélicoptères. Peut-être que le mot compétition n'est pas exactement celui qui convient. Par contre, qu'il y ait eu de leur part le goût d'être reconnus comme des alpinistes éligibles pour les expéditions himalayennes un jour, c'est certain, et c'était notre ambition à tous. On voulait faire partie du paquet des gens qui iraient à l'Everest, au Dolagiri et au Makalu, et bon, et qu'il fallait bien marquer des points. Là-bas ? Ah non, on a essayé la brave, mais on n'y va pas, c'est trop dur. À l'évidence pour moi, quoi. Le passage de Bonatti, ça a été réellement le passage du... C'est méchant pour Bonatti ce que je vais dire, mais enfin, c'est l'ange du malheur quoi, qui les a entraînés parce que Bonatti, à l'époque, représentait le succès absolu, le type indestructible qui traverse les montagnes, ce qu'il est. Et ça leur a boosté le moral sans aucun doute et ils sont... Du coup, ils partaient avec lui, quoi.
scolare Monte Bianco Invernale per la via della Pera. Se non che abbiamo fatto un po' tardi, allora abbiamo ripiegato sulla via Mur, dove erano già impegnati un francese e un belga. Li abbiamo raggiunti superati, ma purtroppo siamo stati costretti a bivaccare all'aperto appena nei pressi dell'uscita. La tormenta ci ha colti, è stata una notte durissima. Il mattino dopo, dopo aver aiutato i francesi per 80 metri con le corde fisse, abbiamo ripreso la salita. La Brave en hiver en 1956, c'est peut-être un peu prétentieux de parler d'exploit, mais enfin c'est une belle, grande et difficile promenade. Le matériel n'est pas celui de maintenant, l'entraînement n'est pas celui de maintenant, et puis surtout, il y a une barrière psychologique, c'est qu'on ne va pas en montagne en hiver. Je vais quand même le dire, bon, les guides de Chamonix m'ont dit que c'était la période du ski, que les guides compétents étaient en train d'enseigner à l'école de ski et qu'ils n'avaient pas le temps. Il y a eu d'autres guides ont évoqué l'absence de matériel, le mauvais temps, l'état de la neige, le risque des avalanches. Bon, enfin, mais le fond du problème, c'est que ben, ils n'étaient simplement pas décidés à abandonner leur saison de ski pendant la période où on travaille à Noël. Ce que je comprends très bien. Ce qui est sûr, c'est que la situation a été confuse. Le groupe a d'abord décidé d'essayer la descente directe, et puis a trouvé que c'était avalancheux. Ensuite, Bonatti a décidé d'aller vers le sommet du Mont Blanc. Vincent Don et Henri ont-ils suivi ou n'ont-ils pas suivi Bonatti? Ils ont bivouaqué, ce qui est sûr, de nouveau. Mais en fait, on ne sait rien sur ce qu'ils ont fait. On sait simplement que Bonatti, lui, est passé par le sommet du Mont Blanc, avec son client très entamé, très affaibli, déjà tout gelé, et que mes amis Vincent Don et Henri, eux, on les a retrouvés 48 heures plus tard, au bord du Grand Plateau, complètement déjà égarés et naufragés. Thank you.
sergent pilote, moi, moniteur. À ma connaissance, c'est passé par le secours en montagne, l'organisation du secours en montagne qui est passée par la préfecture. Et c'est la préfecture qui a demandé à Santini d'envoyer un hélicoptère. Et à l'époque, l'hélicoptère qu'on a envoyé, c'était essentiellement pour retrouver les gars, pour savoir où ils étaient, parce que le jour où j'y suis parti, on ne les avait toujours pas localisés. Et ce n'est pas, c'est pas nous qui les avons localisés d'ailleurs, puisqu'ils ont été localisés par Mafiole et Simon du Brévent, à la lunette. Je suis passé à moins de 10 mètres et à faible vitesse, donc je les ai très très bien vus et j'ai vu que Henri avait les mains gelées, les je dirais même les avant-bras gelés, parce que son anorak était légèrement remonté aussi. Et on voyait que les mains n'étaient pas fermées et ne bougeaient pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu, c'est évident. Et puis, Vincent Don, il dormait. L'hôtel était plein, j'étais au milieu de mes clients, et l'événement est arrivé comme un événement de montagne. La première question posée, c'est, il y a des gens qui font de l'alpinisme l'hiver. C'était une des questions de base, des gens qui ne connaissaient pas. Après, ça a été, mais ces gens sont fous d'aller passer un réveillon au sommet du Mont-Blanc par le temps qu'il faisait, c'était la première chose. Et puis après, les heures passant, c'est devenu un événement où tout le monde a commencé à s'inquiéter, puis à s'intéresser. Et l'endroit était tellement en plein centre du massif et d'une visibilité qui était tellement étonnante que j'avais installé sur le coin de la rue Nationale et de mon hôtel la longue vue de l'été. Et on suivait ça comme un feuilleton, en se demandant qu'est-ce qui est arrivé. En faisant mes courses dans Chamonix, j'ai entendu des conversations au cours desquelles il était d'état de deux gars perdus en montagne, et c'était agrémenté de commentaires d'une rare violence. J'ai écouté ça, je suis rentré à la maison, dans ma femme, il y a deux gars en perdition, paraît-il, et voilà, et c'est tout. Et je veux dire, un jour ou deux jours après, je ne me souviens plus très bien, le commandant de l'école, un jour après, je pense, le commandant de l'école m'a demandé de venir le voir. J'étais à l'époque moniteur guide à l'école militaire de Haute-Montagne. Je me suis donc déplacé, il me dit, voilà ce qui se passe.
les guides Chamonix ne veulent pas faire ce qu'ils devaient faire, nous avons accepté de prendre le relève et de participer à des secours pour essayer de sortir ces deux jeunes types qui sont en montagne. Dans le fond, tout le monde et personne n'était responsable et tout le monde était responsable. Tu sais, quand tu es autour d'une table à trois à discuter, mais toi, pourquoi pas toi, pourquoi pas toi? Tu sais, ça va loin l'histoire. Hein? Tandis que quand tu peux commander, tu dis maintenant, c'est ton tour, tu vas aller à tel endroit. Bon, mais ça ne s'est jamais passé. Tandis qu'à l'IHM, on leur a dit, vous allez là. La question était résolue avec mes clients et les gens qui étaient autour de moi à ce moment-là. C'était qu'est-ce que ces idiots sont allés faire là-haut. C'était ça la base de la discussion. Ils n'allaient pas plus loin de penser. Et après, c'était pourquoi le sauvetage est obligé. Pourquoi on va risquer la vie de gens pour des gens qui ont risqué la leur. C'est toujours l'éternel dilemme des gens qui ne connaissent pas la montagne. On aurait dû se rendre compte tout de suite qu'il fallait faire les deux choses. Et envoyer une caravane lourde, à pied, enfin lourde, je veux dire, assez puissante, à pied, au moment même où on les découvrait. Parce que celle-là, elle serait toujours arrivée. Et pourquoi est-ce que le commandant Le Gall, les HM, n'a pas pris cette décision? Ben, c'est probablement pour limiter le risque couru par les sauveteurs. Puisque il n'y a pas un sauvetage s'il n'y a pas, dans des conditions difficiles, s'il n'y a pas un engagement du sauveteur et un risque qu'il accepte. Que j'avais attaché, moi, un opinel que j'avais acheté au bureau de tabac, un opinel ouvert, parce que quand on a eu fait les nœuds de les ficelles, j'ai dit ça ne pourra jamais les défaire. Et j'avais acheté ce petit couteau en disant ça, il arrivera peut-être à s'en servir pour couper les ficelles. Que lorsqu'il a été question de l'hélicoptère et corollairement de l'EHM, tout le monde s'est engouffré dans cette brèche, à l'exception peut-être de Lionel Terray et de moi-même, et pour dire « Ah ben, les militaires vont s'en occuper, c'est fini pour nous ». Maintenant, le point de savoir pourquoi une cordée chamoniarde ne s'était pas constituée, je crois qu'on doit l'attribuer au fait que
l'ambiance à Chamonix s'était détériorée au point que plus personne dans la vallée n'osait revenir sur une attitude initiale qui était qu'on n'était pas parti, voilà. On n'était pas parti au début, et donc il y a une espèce d'entêtement à continuer à ne pas partir. Lionel Terray, outre d'avoir été un des tout plus grands guides français, a été aussi un des tout plus grands amateurs français. Lionel Terray, c'était une liaison idéale entre les deux univers, parce que c'était un homme d'expédition, déjà, et qu'il n'avait pas besoin d'enseigner le ski. Lionel Terray n'a jamais été tout à fait un guide de base. Donc il avait une position beaucoup plus confortable que ses camarades de la compagnie, qui eux, faisaient leur boulot, quoi. Et puis Lionel Terray n'avait pas d'enfant. Ça, on oublie de le dire aussi, Lionel Terray, il n'avait pas d'enfant. Ce type de pratique de l'alpinisme, c'était son trip à Lionel Terray. Donc il était à la fois des leurs et des nôtres. À partir du moment où il a dit « je vais essayer d'aller chercher, je vais essayer de me poser à côté », moi je sais, j'étais à côté de lui, j'ai tout à fait vu qu'il avait cette réaction, il avait un caractère assez fort, et il avait une réaction d'énervement en disant « tous ces gens-là me font chier, mais je vais quand même essayer d'y aller ». Il partait en souliers de ville quand il s'est allé dans le truc. Je lui ai dit, mais c'est pas sérieux, mon colonel. Mettez des chaussures de montagne, équipez-vous. Oh, mais je n'ai pas l'intention de rester là-haut, m'a dit.
Mais non, bien sûr, mais c'était pas sa tasse de thé, cette histoire-là. On est passé à quelques, je sais pas moi, 400 mètres de deux jeunes types qui ont fait ce mouvement-là. Nous, ils étaient à plat ventre, la tête dehors, on l'a bien vu, qui ont fait ce mouvement terrorisé, si vous voulez, dans le hurlement de cet hélicoptère qui fonçait à bloc et qui n'a jamais pu redresser. Moi, j'étais surpris parce que je pensais qu'il allait faire un deuxième essai d'approche. Pour voir si c'était le bon angle d'approche, qu'il trouvait bien le vent là où il en avait besoin. Et là, il a continué son approche. Moi, j'ai dit, il va trop vite. Je l'ai dit tout haut même. Il va trop vite. Et puis il y a eu le boom, il a heurté la neige. L'appareil a fait un cul par-dessus tête et s'est retourné sur le côté droit. Et je les ai vus sortir tous les quatre. Parce qu'on tournait tout de suite, et là tout près, je les ai vus sortir tous les quatre et faire des signes comme quoi il n'y avait pas de blessés. Et je me suis aperçu que les bains étaient gelés, c'est des blocs de béton. Je me suis aperçu qu'ils bougeaient les bras difficilement, car ils étaient gelés, parce que jusqu'au coude. Ensuite, peut-être pas avec beaucoup d'élégance, j'ai tâté un peu les jambes, c'était du béton. Ils avaient les jambes gelées, car ils avaient encore les crampons. Et ensuite, ils m'ont expliqué le drame qu'ils ont vécu. Ils ont été aveugles, tous les deux. Ils ont perdu leurs gants, car les gants, c'est à 4500 mètres. Aveugles, perdu leurs gants. Ils sont allés sur leur barre de Sérac, comme ça, aveugles. Ils sont arrêtés là. Quand ils sont repartis, ils ont eu un grand bruit dans la nuit. Le Sérac est tombé sur lequel ils étaient là 20 heures avant, si vous voulez. Le Sérac s'est effondré. Et puis, ils n'avaient aucune notion de l'état où ils étaient. C'était l'euphorie que par la suite, j'ai appris existe pour ce genre de situation. Ils m'ont raconté des tas d'histoires. Et toi, qu'est-ce que tu es ? Ben, je suis guide, moi aussi. « Ah oui, tu sais, nous, on va être GHM. Moi, j'étais au GHM. Tu étais au GHM, toi ? Je suis au GHM aussi. Mais des tout petits GHM. Rien à voir avec mes copains. Thierry qui monte en ce moment derrière, ni mieux pas ni les autres. Je suis un petit du GHM. J'ai fait de grandes courses, certes, mais pas comme eux. Et puis après, j'ai été guide, donc j'ai gagné ma vie comme guide. Et j'ai pu faire de grandes courses. Ah, mais tu sais, écoute, alors, si ça sort, on fera une course ensemble. » Alors là, on a été désigné pour sauver les pilotes en priorité et puis les accidentés dans un deuxième temps. Et Chapaz est parti avec le premier hélicoptère et il s'est posé sans problème au dôme du Goûter.
Allez. Vas-y, je le tiens là. Reprends derrière, Omar. Allez. Ouais. Tiens bon. Je me suis penché dans le vide, j'ai pris ma ceinture et j'ai tiré ce type de 80 kilos. Vous voyez, d'un seul coup. Et il a plus que je traîne dans l'hélicoptère. L'hélicoptère, quand t'es arrivé, Vincent n'a pas réagi. Par contre, Henri a réagi, lui a parlé, si vous voulez. Et l'autre n'a jamais répondu. Et le plus terrible, le plus bouleversant, c'est quand Henri, avec ses mains gelées, a voulu réchauffer les mains du pilote. Je suis sorti pour chaler dehors. Il y a même eu un moment, je ne sais pas si on en a parlé, je n'en suis pas très sûr, mais quelqu'un a dû dire qu'on aurait pu coucher dans l'hélicoptère, qu'on aurait pu rentrer et rester dans l'hélicoptère le soir. Oui, oui, on y a pensé. On y a pensé, on y a parlé. Rester avec eux, dit, mais sans rien. Mais en conclusion, de les assister, ça n'avait l'air de rien servir. On serait resté là, on n'aurait rien fait de plus, hein, et on aurait gelé avec eux, c'est tout, quoi. C'est tout ce qu'on pourrait faire de mieux, quoi, ou de moins mal. Alors là, ça a été très dur. Le pilote, bon, il n'avait pas eu de blessure, il avait peut-être souffert un moment du froid parce qu'il est resté pendu un bon moment, mais les deux autres, alors ça nous a fait une très grande peine, parce que ils étaient incapables de servir de leurs mains. Elles étaient toutes crispées, gelées. Apparemment, les jambes devaient souffrir de la même façon. Et ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air heureux, ils rêvaient. Ils disaient, merci, on vous aidera. On vous aidera à faire des secours. C'était un sentiment venant de gens qui apparemment étaient très handicapés. C'était frappant, il rêvait. Il y avait des pruneaux, je crois, où il y avait des boîtes qui étaient ouvertes, qui étaient un peu mâchées, là, enfin, ouvertes. Je les avais mis un peu à côté, et puis il y avait une loupiote jusque-là, une petite lampe. On avait laissé la lampe, puis ça y est, quoi. On a fermé la porte, On les a couverts, puis quoi. J'ai dit à Henri qu'on retournerait les chercher. Et on s'est mis en route avec Blanc, qui avait beaucoup de peine à marcher. Très vite, il a fallu que je compte les pas. 20 pas à la minute, 20 pas, et on s'arrêtait. Et puis ensuite, à un moment, il y a même eu 10 pas. On pensait qu'on n'arriverait pas à Valo. Allez,
Allez, Blanc, allez, allez, Blanc, cours. Dans la nuit, Lionel Terray, parti avec quatre compagnons par le chemin des Grands Mulets, était revenu sans avoir atteint son but, arrêté par une nouvelle tempête. On aurait pu, assurait-il, les atteindre deux jours plus tôt par l'aiguille du goûter. Et il ajoutait, le sauvetage a trop tardé. Les gens qui habitent cette vallée et dont je faisais partie ressentaient dans ce drame beaucoup de tristesse pour deux raisons. Pour des raisons que c'était des amis à nous qui étaient investis dans cette opération, et puis pour ces deux alpinistes, ces deux jeunes gens un peu fous qui étaient partis. Ça, c'était une chose, nous, qu'on ressentait. Mais les gens qui étaient là en vacances, qui n'étaient pas des montagnards, qui étaient des petits skieurs, qui descendaient Balmes en chasse-neige, trouvaient ça fantastique parce que ça leur donnait, pendant leurs vacances, un scoop, pour employer le mot à la mode, mais enfin des informations pour épater la galerie, y compris leur concierge, en disant, dites donc, Vincent Denhary, j'étais et je l'ai vu. Il y avait une telle pression, il y avait tellement de journalistes de tous les côtés qui interviewaient n'importe qui, n'importe comment, des gens qui la plupart du temps ne connaissaient pas ce que c'était que la montagne, et ça a foutu c'est dingue. Il fallait voir l'ambiance qu'il y avait dans Chamonix. Le cas de Vincent Don et d'Henri est déjà dépassé. La montagne tient dans ses griffes d'autres victimes. En tentant de se poser sur le grand plateau, un Sikorsky a été plaqué par le vent sur les pentes neigeuses. Le voici perdu dans l'immensité blanche. Ses occupants, après l'atterrissage brutal, ont installé dans la carlingue les deux naufragés à bout de résistance. Puis, avec quatre guides déposés par un autre hélicoptère, ils ont réussi à gagner l'observatoire Valo, niché au bord du gouffre à 4360 mètres. Maintenant, il y a aussi ces 8 hommes à sauver. Dans ce sauvetage, il est arrivé un moment où, implicitement, on se disait ils peuvent pas continuer à vivre. Quoi. On approchait, je sais pas, de 10e, 12e, 13e jour. Enfin, bon, c'était complètement affolant. Quoi. Et puis, je ne sais pas si je me disais ça à l'époque, mais en tout cas, je m'en suis persuadé maintenant, on aurait ramené des gens qui n'auraient plus ni bras, ni jambes, ni... Et peut-être même plus leur tête. Alors... Voilà des garçons qui, pendant 10 jours, ont bivouaqué sans boire, sans manger, sans gants, sans lunettes, et qu'on a encore trouvé vivants et capables de parler, capables de s'excuser d'avoir causé du désagrément. C'est moi qui ai eu la charge de demander au commandant de s'il nous autorisait à redescendre à l'épave et puis de voir où ils en étaient. C'était pas un exploit, c'était rien, quoi. On était équipés pour le faire, on pouvait le faire. On serait parti 2-3 peut-être. J'étais
pour faire une reconnaissance pour les voir, parce que c'est la conscience, enfin, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on ne l'a pas fait, et d'en bas, on nous a dit non, on ramasse tout le monde, on ramasse et on redescend, quoi. Et on descend tous. Nous mettrons les feux dans le vent, c'est-à-dire que nous baliserons la plateforme, et dans le vent, côté opposé à la direction du vent, de façon à ce que la fumée et la flamme soient expédiées vers l'extérieur de la plateforme. C'est parfait, alors... Pour moi, c'est terminé. Vous avez pu suivre, je l'espère, cet échange radio et vous avez pu comprendre que l'opération de sauvetage demain se fera en plusieurs temps. Une reconnaissance, le sauvetage des deux pilotes accidentés du Sikorsky qui se trouvent au refuge Valo et enfin le sauvetage de Vincent Don et Henri. Et je veux signaler que la météo nous promet pour demain une légère éclaircie du temps dans la matinée et qu'enfin au cours de l'été, les Alouettes, ces hélicoptères qui vont être mis en service demain, ces hélicoptères ont réussi l'atterrissage sur cette plateforme dont parlaient les deux correspondants militaires au-dessus du refuge Valo. Mais ce soir, je ne peux m'empêcher de penser aux parents des deux accidentés, des deux naufragés de la montagne, de Vincent Don et Henri, ces parents qui sont dans le même hôtel que nous, qui attendent depuis 12 jours déjà, qui savent que leurs fils vont passer une 13e nuit dans la montagne, à 4 km à peu près à vol d'oiseau, et qui ne peuvent rien pour leurs enfants. Remontés sur 100 mètres en 8 heures d'efforts surhumains. Ils racontaient leur désespoir d'avoir dû laisser dans la carlingue de l'hélicoptère Vincent Don et Henri moribonds et qu'ils jugeaient intransportables. Défini qu'ils allaient mourir, et l'armée donc a donné des ordres que nous ne dépassions plus, que nous ne risquions pas davantage, si vous voulez. Alors qu'à mon avis, on aurait pu y aller, mais transgresser des ordres. On a des familles, on a des enfants, on pense à eux. Après, on a un sentiment de soulagement. Et puis après, on a plus le sentiment après, quand on voit, quand on lit la presse, quand on voit ce qui se passe, on est moins bien, quoi. L'impression générale, ça a été quand même qu'il était temps que ce cirque s'arrête. Parce que c'était vraiment le cirque à la patinoire. Cette pléiade. C'était le cirque, mais il y avait même des gens qui venaient s'installer dans les tribunes parce que c'était un spectacle. Et ça, c'était odieux. Encore une fois, quand on pensait aux gamins.
47 ans après, ça vous remet encore. Je suis une brute. Normalement, on a dû vous dire. Mais dans ce cas-là, je ne peux pas être la brute. J'ai encore mon cœur qui est complètement ravagé par ça. Vous allez là-bas volontaire. Vous avez deux gars que vous espérez sauver. La nature se déchaîne contre vous. Tout est déchaîné contre nous. On ne peut rien faire. J'ai eu des polémiques. On nous a reproché de ne plus aller voir. Nous savions qu'il était mort. C'est un peu difficile à comprendre, mais ça tient au fait qu'on abandonnait des gens que la France pouvait considérer comme encore des enfants finalement plutôt quand même sympathiques, et qu'il y a eu un processus de négligence, mais réellement d'abandon. On les a laissés. Et ils ont vécu un calvaire, un véritable chemin de croix. Et ça a bouleversé la France. Et c'est toujours aussi bouleversant.